Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel et dernier épisode d'une série que j'avais commencé il y a déjà un temps certain, Et j'étais en train de checker vite fait pour voir ce que je peux éventuellement vous filmer d'autre que du Prison Architect, même si tout le monde sait très bien que vous ne voulez que du Prison Architect et du Raft. Pour Raft, il faut que j'arrive à taper sur Antonin un petit peu, qui est pas très motivé. Mais voilà, donc on a Master of Orion, on va se faire le final. Les mecs là ont investi dans la bourse. Attention hein, c'est mon argent là, dont on parle hein. Ça c'est les mecs là. En bleu là, ce sont les mecs là. Et le mec là pense qu'il peut investir lourdement. On va encore acheter des parts hein. Voilà, bonne journée. Voilà, quand t'as les trois quarts de la bourse. Quand tu as les trois quarts de la bourse. Je suis sûr qu'il y a un succès d'avoir 100% des parts. Je pense pas que je le ferai dans cette vidéo là parce qu'on est à deux tours en fait de gagner, hein, c'est pour ça. Our prospectors have shifted away the imperial Vas-y, calme-toi. Calme-toi papy, tu vas te froisser une côte. Suffit, arrête. Commodore. Qu'est-ce que tu veux mon gars, ça fait quoi ça? Ça transporte au feu ça par exemple. L'armée me le recommande. Faisons cela. Ah ouais, mais alors du coup, il faut que j'améliore tous mes modèles, c'est ça hein? Je clique sur toi, non, je peux pas t'améliorer. Cette action est actuellement indisponible. Ah, parce que j'ai pas de port spatial, de machin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi-même, si vous voulez, ça fait trop longtemps. Ouais, c'est ça, il doit pas y avoir de port. Tu resteras comme ça. Tu resteras comme ça jusqu'à la fin de la game, hein, d'ailleurs. Ici, il nage dans le bonheur, j'ai même plus besoin de construire quoi que ce soit. Ouais, faisons une station spatiale, ça vous occupera les doigts. Hein. Les 10 doigts, les 9 doigts, autant de doigts que vous voulez. Hein. On s'en fout, on n'est pas comme ça. Le baraquement blindé, je vais le prendre. Hop. Alors bien sûr, hein, référez-vous aux épisodes précédents hein, si vous voulez savoir les détails de ce que je suis en train de faire. Oui, c'est vrai qu'entre deux, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont rejoint, qui ont rejoint la chaîne. Enfin, pas mal de gens, tout est relatif, mais vous êtes un certain nombre d'individus en plus. Et il est vrai que je pourrais détailler un peu. Bon, bah globalement, comment vous dire. Alors déjà, j'ai plus besoin de tant de mecs. Hein, c'est fini ça. Tu dégages. Allez-vous-en. Va-t'en. Attends, t'en vas pas comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? Truc démographique, machin et tout. Là, on est sur du 23. L'objectif, c'est d'optimiser pour arriver à plus 0. On a une biosphère. On a une ferme hydroponique. Qui donne plus 2 de nourriture. Ah, là, on fait du plus 23. Hein. Attends, termine-moi ça. Si je t'enlève, en vrai... Ah ouais, non, c'est ça, en fait. Non, je... Virez-moi tout ça, quoi. Ok, là, on a du 5 de trop, donc. On fait 5 de trop... non, excuse-moi. Oui, c'est ça. On est bien sur toi. 5 de trop. En sachant que j'ai... 1, 2, 3, 4 fermiers. Je crois que j'ai un truc qui donne plus 1 par cage, genre. Ou un truc comme ça. De recherche ferme souterraine plus 1 par case et plus 2 de nourriture. Ah, ouais, mais si je le fais sauter, on est en négatif. On est en négatif. On tombe en négatif directement. Ouais, on tombe en négatif de 1. C'est pas intéressant. Vaut mieux se faire sauter la biosphère. Et la ferme hydroponique. Et rester à plus 2. Voilà. Alors on est bien. On reste à plus 2. On est bien, on est confort. Hop. On est bien, on est confort. Voilà. Genre ici, pareil, on va être dans les trucs où il reste... voilà.
Il reste le violet, c'est les militaires, le vert, c'est pour la pollution. Il y a une notion de pollution qui est très intéressante, je trouve très cool dans le jeu, très bien géré. Administration interplanétaire, on s'en fout, c'est ce qui te permet d'échanger de la force de travail, hein, je dirais ça comme ça parce que je trouve pas le mot. Des productions avec d'autres planètes du même système. Donc ça c'est bouffe, tout ça, on s'en fout. Ouais, et tu vas me faire bah et ça c'est tout ce qui est prod en orange, donc vas-y fais-moi ton chantier du l'espace. Tac. Attends, ici on est où? Ah, on est sur la planète de la misère. Ah oui, on est sur la planète de la misère et aïe Pierre. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, qu'il y a des planètes comme ça qui vont pas très très bien. Faisons cela. Donc ouais, système de pollution que je trouve très bien travaillé, parce que vous avez des biomes qui sont plus ou moins déjà toxiques de base ou pas, donc vous allez devoir mettre des épurateurs par exemple si elle a une atmosphère toxique, etc. Afin de la nettoyer et la rendre vivable. Mais vous aussi, en fait, au fur et à mesure, plus vous avez de production, genre plus vous avez d'ouvriers, plus vous construisez d'usines, etc. Donc plus vous avez de production, plus en fait vous faites monter une jauge et la planète a une certaine capacité qui est souvent de 40. Et dès que vous dépassez ces 40, vous commencez à polluer. Et donc vous allez commencer à réduire votre nourriture. Et ça, je trouve ça cool. Genre en fait, tu pollues trop, t'arrives plus à bouffer, c'est compliqué. Du coup, je trouve ça intelligent. Alors oui, par contre, en fin de game, là, effectivement, bon, j'ai pas un si gros bout de la galaxie, hein, ça devrait être lui le premier, hein, ou le mec là. Hein. Mais je fais tellement d'argent que résultat des courses, je suis premier. Tellement je fais de l'argent. Car oui, j'aime l'argent. Dans ce jeu, j'aime l'argent. Dans tous les jeux d'ailleurs. Ah, j'en profite pareil de cet épisode, pas très intéressant forcément, pour vous dire que je participe à une campagne de jeu de rôle. Là, donc, premier épisode a été tourné sur la chaîne de Derdenas sur Twitch. Faudrait que je vous mette ça en description pour ceux que ça intéresse de me voir jouer au jeu de rôle, pas en tant que maître de jeu, etc. On fait un jeu de rôle, tout ce qu'il y a de plus classique à la cool. Sur Twitch, il y en aura un entre autres. Attendez, je vous passe cet épisode-là ce soir. Donc pour vous, vous l'aurez jeudi. Je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, jeudi. Donc en fait, ce soir, du coup pour vous, ce soir, à partir de 21h, 21h30, je sais plus exactement, jeu de rôle sur la chaîne de Derdenas. Putain, il faut absolument que je pense à vous mettre le lien, mais on n'est pas sûr. Comment ça, j'ai un pacte commercial qui s'est terminé avec le Dark Lord? Le machin là. Le vilain. Je sollicite une audience. Plus les races sont stylées dans ce jeu. Ah, our old friend. Every day is a great day when you are here. La générosité de mon truc vous Have échappe. your say. Évidemment. Il lui faut 1 900 000. Combien? 1978. Allez, c'est parti. Non, non, ça. Non, arrête ça. 1978. Mais bon, on vérifie. Ouais. Offrir. Petit cadeau, ma gueule. We agree, then. Il est trop content. Je lui ai donné des thunes. Il est Have your trop heureux. say. T'as fait quoi du pognon? Pognon! Hello darkness my old friend! Hello! Hello! Bref. Attends, je vais te le refaire. Ah, c'est ça, à tous les coups je me suis gouré et je vais lui donner ça par tour. C'est ça? C'est pour ça We qu'il est très agree, content. then. Have your Yes! say. C'est exactement ça. Without reserve. Bah, très bien, au revoir. We'll be seen. T'es très riche maintenant, tu peux être content. I beseech you, consider the consequence. Ah. Ah oui, c'est vrai que vous aimez pas trop que je commerce avec vos pas de potes. Quoi? C'est quoi ça?
Ah oui, les Epsilon, ils sont morts. Ah, mes potes, les Epsilon qui ont été défoncés par les Rakaïou. Rakaïou contre qui je suis en guerre, je leur tire même pas dessus, hein. Juste je bloque mes frontières en fait. Ça suffit très bien, de toute façon, on s'en fout, on a gagné. On va même claquer tout de suite dans la bourse, on va prendre une part. Hein. On va pas se payer plus, mais on prend une part. Voilà, on s'assure toujours un peu de pression et d'oppression systémique et systématique sur son prochain. Sur quoi qu'on part ici? Sur quoi qu'on part? Sur quoi qu'on part? Faire des trucs comme ça, on s'en fout, de toute façon on a gagné. Donc on s'emmerde pour rien, je fais des bâtiments pour faire des bâtiments. Et j'aurais dû prendre une carte moins grosse aussi, parce que là, on est loin de tout le monde. Tout est très compliqué. Cliquons. J'ai cliqué. C'était très bien. Donc ouais, d'ailleurs je vais vous montrer une palette polluée, tiens. J'en ai une, je vais vous mettre ça. Je vais nous mettre ça. J'en ai une, j'en ai deux, je crois qu'ils sont en cours de pollution. Les planètes en cours de pollution. Hop. Ah bah, c'est le cas toi. Voilà. Donc ça par exemple, c'était une planète que j'avais commencé à polluer parce que j'ai dû fabriquer une usine et que j'ai pas fait gaffe, que j'ai passé mon seuil. Donc on voit les différents seuils de cette planète, la tolérance de celle-ci. Et du coup, tout ce que j'ai ajouté pour pouvoir la nettoyer. Et donc là, actuellement, on fait du moins 1 par tour. Parce que bon, moi j'ai mis le minimum, hein, comme un sac. Et on voit que cette case-là, elle est affectée. C'est-à-dire que cette case-là devrait être à 6. Elle est en jaune et elle nous indique qu'elle est à 5, donc comme les autres. En plus, ça peut tomber de manière random. Hein, sur vos cases. Et tout simplement... Et franchement, voilà. Mais je trouve ça très cool. Je trouve ça très très bien géré, très intelligent. Donc là, pareil, là, vous voyez, on fait du moins 5 par tour. On avait commencé à trop polluer. J'avais commencé à bien polluer. Donc là, ça, c'est une case normalement qui est à 4. Là, 3, 3, 3 et 3 ici aussi, normalement. Donc je perds quand même gentiment mes 4 de croissance par tour. Voilà, je suis presque... J'ai perdu un tiers de ma production, en vrai. Alors que ma jauge n'est pas très élevée. Hein. Je suis un tiers de pollution. Ah ouais, un tiers de pollution en fait, ouais, c'est ça. T'as un tiers de pollution, en gros, tu perds un tiers de bouffe. Attends, dis donc, ça va vite en fait. Hein. Tu te prends vite des taquets. Ah, je devrais la terraformer cette planète. Je devrais la terraformer. Oui, mais on s'en fout, on a gagné. Allez. On lance une terraformation pour dire qu'on a bien gagné. Youpi. On va jouer du bulldozerg. Et en plus, ça va supprimer un peu de pollution. Ouais, quand vous terraformez, vous supprimez de la pollution. Et ça, c'est top. Quel est le jeu qui se cache derrière ça? Voilà, vous avez ma réponse. Hop là. Hop là. Il faudrait la terraformer aussi, celle-là. Yes. Hop là. Faisons cela. Ah voilà, donc on va arriver sur le dernier tour. C'est la victoire. Une victoire pour Canard. Putain, j'ai presque rien même en flotte. Mon chez-moi est une passoire. Mon chez-moi est une passoire. What's up? Il est à moi ce vaisseau? Ah non, il est pas à moi, d'accord. Non, c'est un... Moi je suis en jaune, jaune doré. En jaune clair, c'est... voilà, moi je suis plutôt orange. Orange. De toute façon, j'ai la couleur du pognon. C'est facile à retenir. Couleur de l'or. Je suis légendaire doré. Ah, les mecs, ils colonisent encore. Ils y croient tous. Mais non. Votre vie est un échec. J'ai win. J'ai la max. Et Winamax. Allez, placement de produits gratuits, ça me fait plaisir. Oh, ça vous avait pas manqué. Hein. Je pense bien. Oh là là, les tours à la fin. Oh là là, j'ai l'impression de jouer à Skyrim quand t'as 200 heures de jeu, quoi.
Ça charge une ville, ça met 3 jours. Tu lances ta partie, t'en as pour 3 jours. T'as le temps d'aller faire tes courses et tout ce que tu veux. Secours! Ah ouais, mais vraiment quoi, c'est vraiment... C'est vraiment horrible. Hein. Ah, j'ai vraiment cassé le jeu. Poète, 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 poète. Hein? Oui, oh, y'a un mec que j'ai réussi à coincer là. Ah non, c'est un vaisseau d'exploration du racaillou. Ah, est-ce que... Alors, est-ce que le jeu a crash ou est-ce qu'on a win? Oula. Le loup de la galaxie succède déverrouillé. Like a child with a sandcastle, who after building it tears it down, so too the Nolem topple the galactic markets. As planetary economies plummet, theirs is the only economy that remains strong. Et voilà, on a tout gagné. Voilà, voilà. Bon, c'était un petit épisode sympatoche, hein, surtout en plus histoire de vous informer aussi, c'était tranquille. Et puis, bah, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, ciao!